Allez, salut, salut les gars. Voilà, ça tue moi de Hospital. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc c'est la vidéo du jour. Et je vous fais cette vidéo là pour vous savez actuellement, il y a assez d'informations en ce qui concerne les bourses. Il y a tellement d'informations que c'est pas toutes les informations que je vous donne. Mais néanmoins, je fais l'effort de pouvoir vous fournir assez d'informations. Et il y a encore la bourse de l'Italie. Une bourse de l'Italie qui a été lancée dans une université qui est quoi? Qui est l'université de Turin. Alors je vais mettre le lien en commentaire. Vous allez voir, ce sont les mêmes, c'est toujours les mêmes éléments et tout ça. Mais cette fois-ci, la bourse n'est pas sélective en ce qui concerne par rapport à des tests. Non, c'est toujours identique comme des études de dossier. Voilà, donc ils vont faire des études de dossier et par rapport à cela, vous pourrez aller directement être sélectionné pour une certaine bourse. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que cette fois-ci, la bourse ne prend pas en compte le déplacement de l'étudiant, c'est-à-dire le billet d'avion n'est pas pris en compte. Mais à part le billet d'avion, ce qui reste, l'étudiant fait son mieux pour atteindre déjà cette université. Et tout ce qui reste sera au compte de l'université. Ça, je parle de ceux qui vont obtenir cette bourse-là. Voilà. Et puis, pour pouvoir l'obtenir, pour pouvoir postuler, c'est assez simple. Voilà. Vous allez toujours faire la même chose. Vous allez créer un compte et tout. Vous allez mettre vos documents en ligne et vous allez passer à la sélection. Pour le moment, il y a des facultés qui ne sont pas encore disponibles. Lorsque vous allez aller sur le site, vous allez voir qu'il y a des facultés qui ne sont pas encore disponibles. Vous allez voir qu'il y a des facultés qui seront disponibles le 2 mai, voilà, le 2 mai par exemple, ou bien le 5 mai. Donc, ceux qui veulent postuler dans ces facultés-là, vous allez devoir attendre, ou bien vous allez garder le lien. Ainsi, lorsque cette date-là arrive, vous allez pouvoir postuler assez aisément. Voilà, et ceux qui peuvent postuler aussi, vous commencez déjà à postuler parce que pour cette année, il y a assez de choses. Donc, vous savez, nous sortons déjà d'une crise. Donc, les universités veulent vraiment faire plaisir à plusieurs étudiants étrangers. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, c'est le moment de pouvoir postuler à ces bourses-là. Je vais mettre le lien en commentaire pour ceux qui sont vraiment intéressés. Et si vous êtes intéressé, vous allez sur ces liens-là et puis vous les choisissez et vous allez au postuler. S'il y a des commentaires, s'il y a des questions, vous les posez en commentaire. Voilà, je vais essayer de vous répondre. Et sachez que là-bas, les cours sont en anglais et en français. Les cours sont en anglais et en italien. Voilà. Et en ce qui concerne les documents, vous n'êtes pas obligé de les traduire en anglais, mais ça va dépendre de la faculté. Si la faculté exige que vous traduisez en anglais, alors vous les traduisez en anglais. Sinon, vous pouvez laisser en français pour pouvoir les postuler. Alors les gars, à plus, si vous avez des questions, laissez en commentaire, je vais vous répondre. Ok, je vais faire aussi des vidéos sur ça pour pouvoir vous aider un peu. C'est vrai que je n'ai pas fait assez de vidéos pour toutes les bourses, mais je vais faire vraiment l'effort. Si la bourse elle est hyper compliquée, je vais faire l'effort de vous faire des vidéos pour que vous puissiez au moins savoir comment ça se passe et puis pouvoir aussi les postuler. Ok, donc les gars, je n'ai pas pu prendre assez de temps. À plus, et puis voilà, essayez de postuler au maximum comme vous le pouvez. À plus les gars.